Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ah, je sais, ce que je vais vous montrer va vous impressionner, va faire peur à certaines et certains. Les arachnophobes, ceux qui ont peur des araignées, des arachnides, des quoi que ce soit, fuyez cette vidéo, vous allez flipper. Voilà. Alors, si vous vous retrouvez avec une rondelle de couleur dans votre slip ou dans votre culotte, je n'y suis pour rien. Voilà, je vous aurais prévenu. Attention, araignée. Cette araignée, c'est la plus grosse que j'ai dans mon élevage aujourd'hui. Elle n'est pas manipulable. Pourquoi? Parce que déjà, elle est flippante. Secondo, je ne sais pas, franchement, la force ou la douleur de la morsure. Donc, on ne va pas tenter n'importe quoi parce que, voilà, je ne suis pas là non plus pour faire des trucs débiles pour faire le buzz. Mais en tout cas, vous allez voir l'araignée que je vais vous montrer. Alors, je l'avais elle était déjà à la maison, donc le temps de la climater... Si je puis dire, je l'ai remise dans la petite boîte parce que j'avais envie de réaménager son petit vivarium. Elle est dans un 20-20-30. Vous allez voir, c'est une dinguerie. Je vous montre juste. Elle est là. Voilà. Elle est juste là. Donc, c'est la plus grosse araignée que j'ai dans mon élevage aujourd'hui. C'est un truc de fou. Alors, c'est une hétéropoda. Bois et I, ou Boi et Ae, enfin je sais pas, bon bref, vous trouverez, hein. Donc ça fait partie des hétéropodas, donc c'est une araignée, ça va, dis-moi si je t'embête pas, voilà, voilà, pourquoi, quand vous voyez, ah, ça, je vais pas y arriver avec le doigt, voilà, ici, il y a Léon qui est quasiment tout le temps dehors maintenant, voilà, en tout cas, je vais vous montrer l'araignée, on va la remettre dans son habitat, c'est une super, elle est super, super rapide, c'est comme ma Barylestis, c'est-à-dire que vous la touchez, elle est déjà sur votre tête, elle n'est pas à l'endroit qu'il faut. C'est assez flippant, je vous dis clairement. Donc, les gens qui ont peur des araignées, fuyez cette vidéo. Mais fuyez-la, mais d'une force. Allez, je vous mets l'araignée dans son vivarium. On va la filmer, tout simplement. Je vous mets ça en musique parce que c'est plus... Oh, quoi que non. Allez, je vous la filme tout doucement. Alors, si je fais un petit cri bizarroïde ou quoi que ce soit, vous inquiétez pas, c'est mon côté féminin qui est ressorti de ma personne pour cette vidéo. Voilà, je me mets en danger pour vous faire plaisir. Mais non, c'est vrai que je me fais plaisir avant tout. Je vous la montre, ça sera quand même plus simple. Je parle de l'araignée. Hein. Alors, ne vous trompez pas, les gens. Voilà, c'est posé. Hop, normalement. Alors, soit elle rejoint son petit... je sais pas ce que c'est. Bon, elle a mis quelques toiles là-haut. Vous voyez un peu l'envergure de l'araignée par rapport... Alors, le vivarium suffit amplement, mais c'est vrai que ça, c'est quand même assez balèze. Là, on est quand même sur... j'ai pas une bêtise, une bonne dizaine de centimètres d'envergure. Ce qui est quand même assez sympa pour une araignée. Elle est hyper, hyper rapide. Et comme vous voyez, c'est sa petite particularité. Je ne sais pas si vous le voyez là, la patte. Elle a une patte qui est, on va dire, albinos, sans poils, sans rien. C'est trop marrant. Et quand, au début, je la nourrissais dans la boîte, elle me retournait carrément la boîte tellement elle est puissante au niveau du... au niveau de la chasse, quoi. C'est impressionnant. Hein. Alors dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de ma nouvelle petite protégée. C'est sympa quand même. Ça fait vraiment une araignée de belle taille. Voilà, donc pareil, toutes les araignées que j'ai chez moi, je précise, elles ne sont pas soumises à CDC. Autorisées à l'acquisition, donc sans certificat de capacité. Donc on voit bien devant les calissères. Là, je crois même qu'elle est en train de boire sur la paroi. Elle est en train de boire. Ou pas, je sais pas. Alors, ce n'est pas des araignées qui sont très très agiles sur des surfaces autres
que les surfaces rugueuses et autres, mais bon, ça se tient quand même. Hein. Il y a un peu d'eau sur les parois, donc elle va un peu glisser. Mais regardez-moi un peu. Regardez-moi ça, cette beauté. Franchement, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. N'hésitez pas, même les avis. Oh là 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 là. Alors j'espère que l'image vous plaît, hein. J'essaie de faire une image la plus nette possible. Elle a du mal à tenir sur la vitre, hein. Il y a de l'eau. Voilà. Amis, une nouvelle araignée, qu'en pensez-vous? Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Déjà, mettez tout de suite le petit like qui va bien avec, le petit pouce bleu, c'est important pour le soutien. N'hésitez pas à me balancer des commentaires, c'est très très important. Et comme vous avez vu, vous avez un petit logo qui est apparu sur toutes mes vidéos YouTube, le super chat ou le super message ou le super pouvoir, je ne sais plus ce que c'est. Donc si vous avez envie de me mettre un commentaire et qu'il soit tout en haut ou en même temps pour aider ma chaîne YouTube, aider mon élevage, me soutenir et tout, quoi que ce soit, n'hésitez pas à cliquer sur ce petit bouton,
il y a une petite obligation, entre guillemets, de don. Je crois que c'est 2, 5 ou 10 euros. Enfin, c'est pas énorme. Donc, n'hésitez pas. Votre message sera tout en haut. Il sera coloré. Vous pouvez vraiment le personnaliser. Et moi, ça me fera énormément plaisir. Et tout ça, voilà, ça sera pour tout ce qui est derrière vous, l'élevage et éventuellement le sauvetage de nouveaux animaux. Le compte TikTok, l'œil du 7, je vous invite vraiment à venir parce que je fais quasiment tous les jours des lives. Donc, c'est quand même super sympa de se retrouver là-bas pour discuter de notre passion. Je parle d'autres sujets, hein, vous inquiétez pas, il n'y a pas que ça non plus. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, l'œil du 7, pareil, ou sur Facebook, Pat's Life. Voilà, c'est un peu différent, c'est le seul que j'arrive pas à changer, je ne sais pas pourquoi. Ou éventuellement Twitter, pour ceux qui ont Twitter. Alors, bah, par contre, on n'est pas nombreux. Pareil, l'œil du 7. Voilà, je vous invite vraiment à venir me rejoindre. On a grandi la communauté, on est dans plus en plus de passionnés sur les autres réseaux sociaux et c'est quand même assez sympa. Voilà, et bah, écoutez, j'espère vraiment qu'on pourra discuter tous ensemble. N'hésitez pas à partager si vous avez des photos, des vidéos, me poser des questions sur le compte Instagram pour discuter. Il n'y a pas mieux, l'œil du 7 en privé. Voilà les amis, je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures sur la chaîne YouTube l'œil du 7 et je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Sur ce, prenez soin de vous et prenez soin de vos bêtes. Peace tout le monde. Ciao, ciao.